In Frankreich bleiben oder nach Gamma zurück? Das war die Frage, die sich die Gammas nach den ersten schlechten Erfahrungen auf Erden stellten. Damals flohen sie in den Argonner Wald. Dort lebt der Einsiedler Abelard. Der hatte sie ermutigt, wie die Franzosen auszusehen, zu leben, zu sprechen und zu arbeiten. Ihre Raumkugel nahm er damals in vorläufige Verwahrung. Doch wurde sie ihm von Oscar gestohlen, von Oscar dem Detektiv. Doch auch ihm wurde sie wieder entwendet von drei falschen Gammas. Die Kugel lässt und lässt sich nicht mehr finden. Verzweifelter noch als bei ihrem ersten Besuch fahren die Gammas wie Pilger zu Abelard, diesmal aber mit dem reumütigen Oscar. Bei dem alten Weisen im Walde wird vielleicht wieder guter Rat zu finden sein. Doch auch Abelard hat Schwierigkeiten. Wem gehört der Wald? Jachet, du! C'est là? C'est là. Tu es sûr, Adrien? Tout à fait sûr. Je reconnais la forêt. L'ermite habite ici. Moi aussi. Je reconnais la forêt. Bon. Descendez. D'accord. Descendons. Émile, réveille-toi. Nous sommes arrivés. Arrivés? Où? Dans la forêt, chez l'ermite, chez Abelard. Notre dernière chance pour retrouver la sphère. L'ermite nous donnera une idée. Émile, il faut descendre de voiture. Je ne peux pas descendre, je suis trop malade. Émile, descends! Émile, viens, tu n'es pas malade. Allez, descends. Ouvrez la porte. Tu peux marcher, Émile? Je ne sais pas. Oh. Je vais essayer. Je peux marcher. Voilà, Émile. C'est bien. La forêt! Du bois, notre sphère. Émile, ne parle pas de la sphère. Tu crois que l'ermite aura une idée pour nous permettre de retrouver la sphère? L'ermite nous aidera. Mais oui. La forêt. La forêt. J'ai de nouveau toute mon énergie. Et l'ermite aura une idée pour retrouver la sphère. Mais oui, Émile, mais oui. Il aura une bonne idée. Il aura une bonne idée. Une bonne idée. Vous entendez les oiseaux? Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Émile, tais-toi. Écoute. Qu'est-ce que tu entends? J'entends le chant des oiseaux. Et vous, qu'est-ce que vous entendez? On entend les oiseaux. Chut! Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est? Une machine. Oui, c'est une machine. Une machine. C'est un bruit de machine. Qu'est-ce qu'une machine fait dans la forêt? Je ne sais pas. Psst. Oui, c'est une machine qui coupe les arbres. Les arbres? Une machine qui coupe les arbres? Qui coupe les arbres? Je ne sais pas. C'est peut-être l'ermite. Tu es fou, Oscar. L'ermite ne coupe pas les arbres. L'ermite aime les arbres. L'ermite aime la nature. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un homme!
L'ermite. Mes amis, les gamas. Abélard. Alors, les gamas, vous êtes devenus de bons Français? Toi, Émile, dis ce que tu es. Je suis ingénieur. Et moi, je suis poète. Les boutons. Ah, les boutons de porte. Moi, je suis militante. Je milite pour l'égalité des femmes. Bravo. Bravo. Alors, vous êtes heureux? Non, nous ne sommes pas heureux. Nous n'avons plus la sphère. Vous n'avez plus la sphère gamma? Oscar ne vous l'a pas donnée? On lui a volé la sphère. Oui, on m'a volé la sphère. Pauvre gamin. Vous n'avez plus votre sphère. Et moi, je n'ai plus ma forêt. Quoi? Vous n'avez plus votre forêt? Vous entendez? Les machines! Qui coupent les arbres. Les machines me chassent de la forêt. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Qui te chasse de ta forêt? Venez voir. Partir. On va détruire ma cabane. On va construire des maisons ici? Oui. Il faut d'abord aider l'ermite à retrouver sa forêt. Ensuite, il nous aidera à retrouver notre sphère. Die Gammas wollen dem Einsiedler Abélard helfen. Sie wollen seinen Wald retten. Sie lieben diesen Wald, ihre einzige Zufluchtsstätte. Sie erkennen ihn wieder. Je reconnais la forêt, sagten Adrien und Odile. Ich erkenne den Wald wieder. Je reconnais la forêt. Der E-Laut wird hier einmal AI und einmal mit E-Akzent-Zirkonflex geschrieben, wie es Ihnen von Être bekannt ist. Reconnais Forêt. Beschränken wir uns auf die Buchstabenkombination A-I. Ä. 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 Laid. Hässlich. C'est laid. C'est très laid. À vous? C'est très laid. C'est très laid. Aimer. Lieben. Ils aiment la forêt. Sie lieben den Wald. Ils aiment la forêt. À vous? Ils aiment la forêt. Ils aiment la forêt. Aider. Helfen. Il faut aider l'ermite. Man muss dem Einsiedler helfen. Il faut aider l'ermite. À vous? Il faut aider l'ermite. Il faut aider l'ermite. Le propriétaire. Der Eigentümer, der Besitzer. Le propriétaire. Aidez le vrai propriétaire. Helfen Sie dem wirklichen Besitzer. Aidez le vrai propriétaire. Emile sagte vorhin, wir müssen dem Einsiedler helfen und er wird uns helfen. Il nous aidera. Er wird uns helfen. Il nous aidera. Das ist eine Form der Zukunft, die wir schon kennen. Vorhin sagte Emile, l'ermite aura une idée pour retrouver la sphère. Das ist dieselbe Form der Zukunft, diesmal aber am Beispiel des unregelmäßigen avoir, haben. Il aura heißt also, er wird haben. Il aura, er wird haben. Und was heißt, ich werde haben? Hier ein kleiner Tipp.
wie man die meisten Zukunftsendungen schnell und mühelos finden kann. Nämlich aus der Gegenwart von avoir, haben. J'ai, j'aurai. Die Endung von j'aurai wird wie das ä von j'ai ausgesprochen. J'ai, j'aurai. Tu as, tu auras. Il a, il aura. Ils ont, ils auront. Es ist gar nicht so schwierig. In der nächsten Szene heißt es, Sie werden Angst haben. Wie heißt das auf Französisch? Ils auront peur. Sie werden Angst haben. Ils auront peur. Bald werden wir sehen, wer Angst vor wem haben wird. Avant c'était joli. Maintenant, c'est très laid. Oui, c'est laid. C'est sale. C'est triste. Qu'est-ce que tu fais, Émile ? Je réfléchis. Qu'est-ce que c'est ? Mais tu ne vois pas, c'est le bureau de vente. Bureau de vente ? Eh oui. Si tu veux acheter une de ces maisons, tu donnes de l'argent. Et on me donne une maison. Où est cette maison ? On va construire ta maison là, ou encore là, enfin où tu veux. C'est qui, on ? On, c'est le bureau de vente. C'est là. Tu donnes l'argent et ils construisent la maison. Il faut trouver une idée pour Abélard. Alors, c'est vous qui vendez les maisons ? Oui, c'est moi qui vends les maisons. Voilà les plans. Vous donnez l'argent et nous vous construisons la maison de votre choix. La maison de mon choix ? Ah, j'ai le choix ! Vous avez le choix entre trois types de maisons. Villa Normande, 160 000 francs, trois pièces, douche, WC. Résidence doux repos, 320 000 francs, garage, piscine. Résidence chic grand chic, 8 pièces, 3 garages, 2 piscines, 599 000 francs. Et naturellement, l'ermite doit partir. Sa cabane va être détruite. Bien sûr, sa cabane va être détruite. L'ermite devra partir. Pourquoi ? Mais il n'est pas propriétaire. Il n'est pas propriétaire, vous comprenez ? La clairière ne lui appartient pas. Elle nous appartient. Nous avons acheté toute la forêt. Vous n'êtes pas le propriétaire de la clairière, vous devez partir. Je sais que je ne suis pas le propriétaire. Mais j'habite ici depuis 40 ans. 40 ans, ça ne fait rien. Il faut être propriétaire et vous n'êtes pas propriétaire. Émile, l'ermite est chez lui, ici. Il faut trouver une idée. Pas propriétaire. Émile! Il faut trouver une idée. Abélard est vieux. Où va-t-il aller? Pas propriétaire. Il faut faire quelque chose pour Abélard. J'ai trouvé. Vous devez utiliser la magie gamma. Très mauvaise idée. Pas propriétaire. Si vous devenez grand, si vous devenez petit, tout le monde aura peur et personne n'achètera de maison ici. Très mauvaise idée. Pas propriétaire. Il faut faire peur. Il faut faire peur.
Ils doivent partir. Pas propriétaire. Pas propriétaire. Pas propriétaire. Hé, oh hé. Vous n'êtes pas encore parti. C'est aujourd'hui que vous devez partir. Je ne partirai pas. C'est vous qui devez partir. Moi ? Oui, vous. Je me présente. Oscar, détective. Vous allez partir et laisser cet homme en paix. Sinon ? Sinon quoi ? Sinon, mes deux amis vont faire des choses terribles. Terribles ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont disparaître. Disparaître ? C'est ça. Ils vont disparaître. Et ils vont devenir grands. Et ils vont devenir petits. Des sorciers ! Une sorcière ! Oh, que j'ai peur ! Des sorcières dans la clairière ! Magigama ! Magigama ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ils font de la magie. C'est terrible. Pourquoi ? À cause des acheteurs. Ils auront peur de la magie. Personne n'achètera des maisons ici. Nous voulons acheter une maison. La plus belle, la plus chère. Magigama ! Magigama ! Magigama ! Ils vont disparaître. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils font un numéro de magie. Les deux qui dansent sur place vont apparaître, disparaître. Quoi ? De la magie ici ? Nous n'achèterons pas dans ces conditions. Viens, chérie. Forêt magique ? Il ne faut pas acheter. Ils ont peur. Ils ont peur. Je reste ici. Pas propriétaire. Disparaissez ! Ils n'ont pas disparu. Ils sont encore là. Je n'ai plus assez d'énergie. Je n'ai plus la magie gamma. Essayez de grandir. Allez ! Elle n'existe pas, leur magie. Elle n'existe pas. Nous n'avons plus la magie gamma. Nous sommes encore trop fatigués. Tu n'as pas une idée, Émile, pour chasser ces gens ? Si, j'ai une très bonne idée, mais ce n'est pas une idée gamma. Propriétaire. Wir sprachen vorhin von der regulären Zukunft. Wir kennen aber schon seit langem eine andere. Ils vont disparaître. Sie werden verschwinden. Sie werden unsichtbar werden. So warnte Oskar den Angestellten der Baufirma. Ils vont disparaître. Das ist die unmittelbare Zukunft, die aus den Gegenwartsformen von aller gebildet wird. Wortwörtlich, sie gehen verschwinden. Das heißt, sie werden verschwinden. Nämlich heute noch, sehr bald oder jetzt gleich. Ils vont disparaître. On va chasser l'ermite de la forêt. Man wird den Eremiten aus dem Wald jagen. On va détruire sa cabane. Man wird seine Hütte zerstören, nämlich bald. On va détruire sa cabane. À vous. On va détruire sa cabane. On va détruire sa cabane. La cabane va être détruite. Die Hütte wird zerstört werden. Das sagte die Angestellte zu Emile. La cabane va être détruite.
Das ist ein sogenanntes Passiv. Wem wird etwas geschehen? Der Hütte. Die Hütte wird zerstört werden. La cabane va être détruite. Im Deutschen wird ein Passiv mit dem Verb werden gebildet. Im Französischen wird werden durch être, sein, ersetzt. La cabane va être détruite. Été ist auch eine Form von être. J'ai été, ich bin gewesen. Il a été, er ist gewesen. Diese Form von être wird auch für das Passiv verwendet. La sphère a été volée. Die Gammakugel ist gestohlen worden. La sphère a été volée. Sagen Sie es bitte mal. La sphère a été volée. La sphère a été volée. Im Deutschen ist gestohlen worden. Im Französischen a été volé. Les arbres ont été coupés. Die Bäume sind gefällt worden. Les arbres ont été coupés. À vous. Les arbres ont été coupés. Les arbres ont été coupés. Im Deutschen sind gefällt worden. Im Französischen ont été coupés. Si cela a été un peu difficile, je vous demande pardon. Propriétaire. 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 Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, j'enlève le grillage. Et pourquoi enlevez-vous le grillage? J'enlève le grillage pour pouvoir enlever votre cabane. Vous enlevez ma cabane? Aujourd'hui? Eh oui, aujourd'hui. Dépêche-toi. Hé, Émile, et ton idée? Dépêche-toi, ils enlèvent sa cabane aujourd'hui. Ton idée, Émile, vite! Nous avons le temps. Comment le temps? Il va faire tomber le toit. Regarde! Monsieur, vous allez faire tomber le toit même si nous restons ici? Bien sûr que non. Mais il faut que vous partiez. Allez, vous devez partir. Ton idée, Émile, ton idée. Patience. C'est vrai que notre ami doit partir tout de suite? Oui, tout de suite. Vous comprenez, cette cabane... Qui êtes-vous? C'est vous le chef? C'est moi le chef. Alors, c'est vous qui avez décidé que notre ami Abélard, l'ermite, doit partir? C'est vous qui avez donné l'ordre à cet homme de détruire la cabane? C'est moi. Je ne peux pas faire de bonne publicité avec cette cabane ici. Elle n'est vraiment pas belle. Et vous? Vous croyez que vous êtes bon, vous? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Au secours! Au secours! Au secours! C'est ça, ton idée? Ce n'était pas mon idée. Mon idée est très bonne. Propriétaire. Est-ce que je tire? Tirez! Tirez! Mais eux, on va les blesser. Tant pis pour eux. Sortez ou je tire. Propriétaire. Sortez! Pour la dernière fois, sortez ou je tire. Bon, je vais tirer. Mais monsieur, vous allez les tuer. Ça m'est égal. Émile, ton idée, c'est le moment. Sinon, le toit va nous tomber sur la tête. Halt! J'achète tout. C'était ça, mon idée. Propriétaire. Tu achètes quoi? J'achète la clairière. Tu as assez d'argent? Je suis riche. J'ai vendu des idées gamma. Des idées gamma géniales. Je les ai vendues très cher. Vous, le promoteur, venez ici.
Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? J'achète. Pardon, monsieur, qu'est-ce que vous achetez? J'achète tout. Tout? Tout. Il faut faire des calculs. Abélard, apporte une chaise. Il achète tout? Il achète toute la caisse. Vous payez par chèque? Non, je paie comptant. Il achète tout? Ah, Émile et ses idées! Elle est géniale, l'idée d'Émile. Il va tout acheter. Le compte y est. Signé. Je ne sais pas signer. Vous ne savez pas signer? Non, je ne sais pas signer. Mais lui, il sait signer. Pourquoi lui? C'est vous qui devez signer, c'est vous le propriétaire. Ah non, ce n'est pas moi le propriétaire, c'est lui, Abélard. Viens ici. Signe, Abélard, tu es le propriétaire. Elle n'est pas bonne, mon idée? Elle est géniale. Oui, mais ce n'est pas une idée gamma. Merci, Émile. Merci. Grâce à toi, je peux rester dans ma clairière, avec les arbres, les oiseaux et la cabane. Quand est-ce que nous commençons les travaux? Les travaux? Quels travaux? C'est moi le propriétaire. Eh oui, c'est vous le propriétaire. Vous êtes le propriétaire de toutes ces maisons. Oui, vous avez acheté la clairière avec toutes les villas que nous devons construire. Je ne veux que la clairière, je ne veux pas des maisons. Je ne veux que ma cabane. Vous ne voulez pas une petite villa, tout confort, avec piscine, avec tout? Partez! Partez! Construisez vos villas ailleurs. Je vous interdis de revenir, compris? Je vous interdis! Moi, je veux ma cabane, ma forêt, ma clairière. Loin des hommes, loin des machines, loin du